nous allons procéder avec le processus qu'on doit suivre. Alléluia. Amen. Personne? Ok. On peut avoir des... La Bible dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne soit pas troublé, parce que le Seigneur, celui qui croit en Dieu, Dieu est avec lui, et Dieu a préparé une maison pour lui, et il va y habiter. Nous prions maintenant. Ô Seigneur, la vie et la mort viennent de toi. Nous reconnaissons la réalité de la mort aujourd'hui, et qui sépare des hommes et des personnes avec des bien-aimés. Nous prions au Seigneur qu'aujourd'hui, malgré ces pertes, que la consolation de cette situation soit au Seigneur établie dans tous les membres de la famille au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur, qu'au jour de l'arrivée de Jésus-Christ, ton Fils ressuscitera de ce tombeau, parce qu'il est avec toi. Ô Père, continue avec la famille, avec des amis, avec des partenaires, avec des collaborateurs, jusqu'à la fin de leur vie, au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant le départ de son serviteur, le corps de son serviteur, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit de la terre dont nous sommes venus et de la terre nous nous retournerons. Aujourd'hui, notre Père, notre apôtre, notre pasteur, notre frère, notre oncle, notre papa, on retourne à la terre de laquelle Dieu l'a pris. Il dit que de la poussière nous avons été créés et de la poussière notre corps résumera alors que notre esprit reste et demeure. Amen, mon amour.